Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans une nouvelle vidéo en vrac et on va jouer à Counter-Strike Global Offensive. Je l'ai ce jeu, mais j'ai quasiment jamais joué. C'est comme PUBG là. J'ai joué une demi-fois. Voilà. Donc c'est ce genre de jeu rentable, quoi. Et bah CSGO, bon moi j'ai connu tous les counters, hein, 1.5, 1.6, CSGO, voilà, tout le monde, pas CSGO, Counter-Strike Source, je sais pas quoi. Je les ai tous connus, hein, j'ai toujours eu des potes qui y jouaient, mais moi j'y jouais pas. Moi je jouais à des MMORPG, puisque c'est à peu près la même période, hein. Donc la question c'est, est-ce qu'après 100 niveaux sur Paladin, on a également fait des progrès en visée sur ce jeu, c'est la question que tout le monde se pose. Alors on va commencer, on va jouer un silencieux. On va jouer un silencieux parce que j'ai toujours aimé cette arme sur les anti-terreaux. Je la trouve vraiment sympa. Après elle est pas très forte, hein, bien évidemment. C'est une arme de base. Mais si on tire dans la tête, ça peut bien se passer. Après il faut arriver à viser la tête. Ah oui, bah, oui, où faut pas arriver. Bah lui, par contre, ne sait absolument pas viser. Le temps qu'il a mis pour me buter, oh, ça va être coton. Hein. À cette distance. Oh, on l'a eu! Et on a tiré dans la tête, les gars. Est-ce qu'on aurait fait des progrès? Ouais, non, ouais, bon. Cassez les couilles là, avec vos armes là. Hop, moi aussi, hein, je suis parti, je prends une arme. Voilà. Voilà, je prends une arme. Je prends une arme, c'est bon, c'est parti. Moi aussi, je peux prendre une arme. Bon, je prends l'arme la plus chère, hein, je pense. Peut-être pas la plus chère, je sais pas si c'est la plus chère. En tout cas, pour moi, c'est la plus efficace. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir... Alors là, on est en match à bord par équipe, hein, bien évidemment. On est premier! On va pas le rester très longtemps. Voilà. Ça m'était jamais arrivé, ça. Ça m'était jamais arrivé que l'ennemi me saute sur la tête. Je connaissais la technique de saut sur la tête. Oh, j'ai sauté, il m'a quand même tiré dans la tête. Donc voilà. Là, a priori, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Il n'y aura qu'un allié. Donc voilà. Ça, c'est une assez bonne position, mais il n'y a personne. Donc pour le moment, on va plutôt partir par là. Il y a de grandes chances qu'on croise des gens. C'est parti. On est prêt. On est chaud. Ah oui, normalement on passe au couteau, etc. Mais bon, dans une map comme ça où les mecs peuvent arriver dans le dos, c'est pas très très bon de sortir le couteau pour aller plus vite. Je connais quelques petits trucs, hein, même si je suis une grosse merde. Forcément, on connaît 2-3 trucs à force. Hein? Oh non! Pff, non mais il y a vraiment des mecs qui campent derrière les voitures là, vraiment. Tu campes vraiment là en pensant que tu vas réussir à rester vivant longtemps. Mais comment on peut camper dans le jeu? Comment on peut camper dans le jeu? Vous me verrez jamais camper dans le jeu. Moi, je marche tout le temps ou je m'arrête pour faire des kills. Mais sinon, je vais pas me cacher derrière un poteau, quoi. Jamais. Au grand jamais. Là, il y a un de nos alliés qui est mort. Donc, il y a un mec qui va être là. Logiquement, ouais. J'ai plus de facilité à regarder la mini-map sur CSGO que sur League of LoL. Ce qui est étonnant, vu le nombre de parties que j'ai fait à League of Legends. Bon, ah, c'était pas mal. Oh non. Il était toujours là, lui. Le perdu depuis tout à l'heure. Non, mais faut jamais laisser juste sa tête qui dépasse. Jamais. Oh, il y a un de nos alliés qui est mort. Non, raté. Ah, pas eu le temps. Il est toujours là, lui, l'autre abruti, putain de merde. C'est d'un ridicule, un mec qui reste dans un trou, quand même. Mon gars, sors de ta cachette. Et d'un, et de deux. Et pas de trois, voilà. Ah, c'est compliqué. Mon objectif n'est pas de finir premier, mais de pas être dernier. C'est déjà ça, mon objectif. Ah ça va, s'ils viennent tous comme des brochettes. Ouais, j'aurais dû faire attention. Oh, il savait que j'étais là. Et oui, parce que je venais de le tuer. Il pense que je suis un campeur. Alors que même pas, mais... Oh putain, encore à corps, j'aurais pas dû viser. Enfin, j'aurais pas dû viser, ouais. Ça.
Putain, y en a, ils mettent du temps à te tirer dessus. Ah non, il a bougé, il a bougé. On l'applaudit tous en cœur. Bon, j'en ai tué un. J'en ai tué un sur deux. On va par là. Putain, mais il m'a tué au gun quoi, alors que je me suis levé. J'ai sauté. Bon, il y avait un mec là, donc il doit toujours être là. Les gens campent en général. Enfin, les gens restent sur les mêmes positions à peu près. Ils bougent pas beaucoup. J'ai cru voir quelqu'un, mais... Il y a eu un mort, il y a eu un mort. Ah, compliqué, il y en a deux. C'est stressant. On descend au niveau du score. On est en négatif, je crois, maintenant. Allez. Ah! Hein? Non, mais tu te fous de ma gueule! Ah là là! Ça passe pas. Oh non, je me fais tout le temps avoir par le mec par un mec par derrière. Oh, j'ai pas vu. Je connais pas les maps. Je connais pas la map. Ah, c'est ridicule. J'ai une série de morts là alors que tout avait bien commencé, malheureusement. Oh, mais ils se suivent comme des petits caniches, quoi. Ah, vous aussi, vous vous suivez comme des petits caniches. Oh, quel level. 3 mecs à la WAP. Tu l'as eu, tu l'as pas eu? Ah, il y a un mec qui s'appelle le dieu du sel. Oh. Pff. Non, mais t'essayes vraiment de faire du 1v4 là? Il a pas de bol sur son papa. Ah, on s'est revengé contre lui. Il y a des mecs qui vont arriver, c'est sûr. Ah non! Il nous a pas cover, le mec! Il nous a pas Harry. Vous savez, j'ai pas du tout le réflexe de mettre la hauteur du viseur là où elle est. Ce que vous auriez si vous connaîtriez la map par cœur, quoi, forcément. Tu m'as fait flipper. Oui! Normalement, il y a des gens. Fallait que je tire dans le pied. J'ai raté. Ah bah, Iso, tu devrais retourner camper. Hein. Ça te va pas de pas camper. A priori, ça marche pas trop avec toi. Ah, il est revenu. Il y avait un point d'interrogation dans le truc, mais je me suis dit, mais non, c'est le mec que je viens de tuer, donc il peut pas être de nouveau là. Alors, si vous avez envie de camper, vous pouvez vous mettre là. Parce que vous pouvez camper, voilà. C'est la meilleure position pour la WAP, pour faire des kills. J'ai cru qu'elle allait revenir exactement sur la même position. Bon, lui, il s'est absolument pas visé. Pire que moi, quoi. C'est possible. Et oui, c'est possible. Eh oui, vous êtes en train de découvrir qu'il y a pire que moi dans un FPS. L'autre. Oh, on allait tirer. Il y a pire que moi dans un FPS. C'est possible. Après, je suis avec la meilleure arme du jeu, mais bon, il y a beaucoup de gens avec la WAP dans ce round. Je vais essayer de le rattraper. Putain, lui, il a directement tiré dans la tête. Johnny. Johnny be good. Bon, a priori, les terreaux sont plus forts que nous. Hein. On voit que j'ai l'impression que les terreaux, c'est que les premiers. Et moi, je suis premier ou deuxième de mon équipe. Quoi. Ah, je fais n'importe quoi. Je parle. Faut pas parler dans le jeu. Ou dans tous les jeux, d'ailleurs. Oh putain, ça va m'arriver dans le dos, je suis certain. On va les laisser cover un petit peu. Ils sont partis.
Oh putain, pardon. Ça saoule parce que. Ouais, donc j'allais jamais juste laisser passer sa tête. C'est pas que c'est plus facile, mais c'est que c'est. Enfin, je sais pas pourquoi on dit qu'il faut jamais laisser juste céder sa tête. Parce que c'est plus facile. Bah, pourtant, il y a juste la tête, donc normalement, non. Oh, j'ai tué celui qui me regardait pas. C'est rigolo. Ah, Oh putain, tu t'imagines dans la réalité, j'ai failli tirer, j'ai tiré sur mon pote là. Non mais c'est pour ça que tu vois qu'il y a des tonnes de bavures à l'armée. Tu meurs réellement donc. Il y a des tonnes de bavures. Si dans un jeu vidéo je suis quasiment sûr de tirer sur mon pote, alors dans la réalité. Le boum! Je pense qu'on finit combien? À 31-31, il y a 40-23. On est deuxième de notre équipe. C'est pas dégueulasse. Ah non, le deuxième était dans mon équipe. Le deuxième était dans mon équipe. Et après, c'est Tits qui a fini premier avec 45, 40-26. Et bah, plutôt stylé. Plutôt stylé. On s'en est plutôt bien sorti. Moi, ce que je vous propose, c'est un deuxième round. Mais cette fois-ci, on joue à la K. Et là, vous allez voir, je vais être beaucoup moins fort. En fait, moi, j'ai deux armes dans CSGO. C'est des armes d'anti-terro. C'est le pistolet silencieux où j'arrive à viser la tête. Par contre, me demander à jouer la K. Je suis une grosse bille. Hein. Donc on va essayer. On va essayer. Vous allez voir, on va pas faire le même score normalement. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'AK des terreaux. Oui, je suis terroriste. Donc il faut que déjà que mon cerveau s'habitue à que mon but c'est de tirer sur les mecs qui ne sont pas des terroristes maintenant. Vas-y, viens. Ouais putain j'ai appuyé sur clic droit pour essayer de viser. Donc on n'est pas couché. Merde. Il y a un mec derrière. Non. C'était un de mes potes qui avait voulu me tirer dessus. Allez c'est parti. On va essayer de tuer quelqu'un à la K. Hein. C'est le but du round. Je peux vous dire, il va pas y en avoir beaucoup des kills. Hein. Profitez. Profitez, oubliez ce que j'ai fait dans le premier round. Voilà. Là maintenant, faut essayer de toucher. Putain, mais y a personne. Allô? Allô les Antilles? Voilà, c'est les potes. C'est les copains. Je sais pas où vous êtes les gars, mais... Les Antilles, là. Vous êtes où? Là? Non, toujours pas. Ah, ils sont là-bas. Ils arrivent. Non, oh, non! Fallait que j'ai un pop dans le dos. Oh, fallait que j'ai un pop dans le dos et quand je recharge. Putain, c'est pas possible. Je vais craquer, hein, je vais reprendre de la web. Oh, j'ai pris un kill. Je suis content. Alors moi, je full quasiment pas. Hein. J'essaye de pas full. Bon, je devrais peut-être. Ouais, je trouve ça tellement débile de full. Dans le jeu, on peut pas full. Par contre, là, voilà, full dans le corps, ça passe. Vu qu'on était assez proche de l'ennemi. Voilà! Non, il y avait quelqu'un là. J'ai vu un fantôme ou il y avait vraiment quelqu'un? Il y avait vraiment quelqu'un. C'est débile de full à ce jeu, mais putain, les balles, elles partent partout. C'est n'importe, Nawak. Il faut vraiment jamais full, hein. Voilà, faut pas full, tu vois. Je full pas, moi. J'ai déjà ce réflexe-là, hein, c'est pas mal. Hein, c'est pas dégueu. Je pense que c'est Paladin qui me l'a appris. Parce qu'avant, quand j'ai joué à CSGO et que je jouais la case, c'était. Et déjà, je suis à l'arrêt. Oh, un kill facile. Oh, c'est un mec au fusil à pompe, donc j'ai intérêt à pas me rater. Hein. Allez, il va pop. Ouais, je l'ai eu. Et encore un tir dans la tête. Ah, les gars, la K. C'est pas si dégueulasse, hein, on est troisième. Bon, on se prend des kills faciles, mais. Mais il est parti. Il a rage quitte. Attention, là il va y avoir des gens. Non. Mais là il y a quelqu'un. Non, il y a personne. Personne, personne. Ouais, c'est moi qui ai récolté le kill, le salaud. Oh, pouf. Le full dégueulasse. Le full du stress. Par là. Dans le bide. Sans 3-4 battes dans le bide, je vois pas quand qui peut en sortir vivant. Pas obligé de toujours viser la tête, même si c'est mieux, ça tue plus vite.
Là, il va y avoir des gens, je suis sûr. Allez, personne. Oui. Oh, mais si, putain, quel idiot! Excusez-moi, les insultes fusent. Le mec, il a un logo Fnatic, quoi. Non, mais... Il sent plus pisser, quoi. J'ai cru que c'était encore le même qui campait. Je suis en train de descendre là, il faut que je reprenne des kills. Boum! Pas mal. Je suis sûr qu'il y a un mec qui m'arrive sur la droite. Je le savais. Je vais essayer de gagner. Ah, j'ai une assist. Pas mal. Du coup, si on fait des points sur une assist, je connais pas le principe. À part qu'il faut faire des kills. Oh là, c'est dur. Oh là, mais retourne-toi! Mais retourne-toi! Il y a Katowicz derrière là! Voilà, on a pris un kill. Bon, lui, c'est pas le meilleur joueur du monde, c'est Katowicz. Il faut s'occuper. Bien joué, bon cover, c'est ça, les terreaux. Allez, part par là. Là, il y a un mec, c'est sûr. Non. Il n'y a personne. Vas-y, 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 j'y vais. Waouh, alors là. Pff, ah, lui, il est bon, hein. Oh là là. Comment on peut courir dans ce jeu? Moi, je croyais qu'il fallait tirer à l'arrêt. Et après, c'était trop random. Moi, je m'arrête, quoi. Faudrait que je me baisse. Bon, là, normalement, il y a un terreau qui arrive par là. J'ai fini par mettre une balle d'un Katowicz! Oh putain, c'était pas facile. Je tire trop de balles. Arrête d'appuyer sur l'auto. Oh non! Pff, oh, je déteste ça. Un mec qui te pop dans le dos. C'est chiant. Il va y avoir du monde qui arrive par là. Pense. Ils ont win ou ils ont perdu ici? A priori, on a win. Là, par contre, ça va arriver. Je le sens. Oui! Un petit kill. Grâce à la minimap. Oh putain, tirer dans la tête là, vraiment? Impossible pour moi. Impossible. Je suis pas assez solide sur cette arme. Ouais, bah là, t'as voulu cuter quelqu'un. Non mais. Mais c'est pas possible, le mec est pas mort corps à corps avec un full auto. Tu te fous de ma gueule? Non mais dans la réalité, le mec est mort 3 fois, hein, même si tu sais pas viser. Hein. Putain de merde. Oh, j'ai envie. Putain, j'étais à un bon score là, je suis dégoûté. What? Oh là là, ça va saouler cette arme. Cette arme me saoule, elle m'a toujours saoulé. Je rage quitte. Fusil AWP. Nul. Quelqu'un là? Bah non. Pourquoi tu tires? Y'a personne. Ah! Ça fait du bien. Ça fait du bien. De qui il a filé? Je suis obligé de faire comme ça parce que personne me cover. Personne me harry. Je suis obligé. Ah, il y a quelqu'un. On peut camper aussi, hein. Alors là, quand t'es tout seul, c'est super dur de camper parce qu'il faut regarder partout. Ah non! Il est mort! À gauche.
Ah! Ils les ont tous tués! Ils ont réussi à me cover, les gars. Ils sont trop forts. Non, mais dégage. S'il te plaît. Merci. Ah, il est mort main. Ah, il n'est pas main. Il est... Ouais, je sais pas. Il est mort tunnel. Je sais pas. Comment ça s'appelle? Il y a un kill. Il y a un kill, il y a un kill, il y a un kill. Oui! On l'a eu dans la tête! Non, à travers la porte. Bof, trop dur. Trop dur, trop dur. Je crois qu'il y a quelqu'un. Il s'est fait tuer. Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive par là. Certains, certains, il y en a un là. Ah! Mais il y a quelqu'un. Ouais, c'était un anti, je crois, en plus. Vu comment il a été habillé. Bon, là, il y a un terreau. Ah, c'est ça, mon radar, il avait bien vu un... Oh, je vais jamais par là. Non, on a plus le temps. C'est la fin. Pff, qui c'est qui joue avec cette arme? Ah, c'est un Smithcoot. C'est un Schmidt-Coot. Non, je sais pas. C'était moi qui étais avec Inara. Eh bah dommage. 20-23, on finira pas avec un score positif. Mais c'est normal, on a joué à la K. J'ai une grosse merde à la K. Eh bah j'espère que vous aurez apprécié ce level sur Counter-Strike Global Offensive. On refera sans doute des games. On fera peut-être même une série de ranquettes, pourquoi pas. Même si je pense pas que je serai Global Elite. Hein. Si on n'est pas loin, on n'est pas loin de Global Elite, je pense, avec ce level. Hashtag pas du tout, parce que le gros problème, moi, des ranquettes dans CSGO, c'est que je suis bon avec le pistolet. Et la WAP, et le pro, enfin bon, bon entre guillemets quoi, mais j'arrive à peu près à jouer avec le pistolet anti-terro et la WAP. Entre les deux, j'ai aucune arme, donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce positif si vous l'avez aimé, à partager la vidéo et à me dire si ça vous fait plaisir, une petite vidéo sur CSGO, parce que je sais qu'il doit y avoir des joueurs de CSGO dans ma fanbase. Enfin, dans les abonnés, tout simplement. Donc, même si moi, j'y joue pas beaucoup et que je suis pas très bon, c'était quand même rigolo de vous faire une vidéo sur ce jeu. On en fera sans doute une prochaine. En ce moment, on tournera avec la nouvelle série Légende en vrac, League of Legends. Je sais pas si j'irai faire un tour sur Dota 2, parce que là, ça risque d'être beaucoup trop ridicule, parce que je connais bien le jeu, parce que j'ai fait un site où il y avait écrit tous les noms des sorts, tous les noms des objets, etc. Donc même si le jeu a évolué en 3-4 ans, je connais le basique de chaque héros, mais je ne sais pas comment jouer, quoi. Je suis une grosse merde quoi, pour jouer. Je pense pas qu'on ira faire un tour sur Dota, mais voilà, prochain épisode, ça sera sans doute League of LoL, et après on repartira sur Fortnite. Même si on a beaucoup de trucs à refaire, parce que moi j'ai même pas joué à la mise à jour des buissons et je crois qu'il y a encore une mise à jour, donc va falloir se mettre à jour et ça risque d'être très ridicule. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.